Salut l'équipe, c'est Jisan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partir tout simplement pour la vidéo build de Baby Jisan. Ce petit personnage que vous connaissez très bien, c'est mon Saiyan équilibré que j'ai créé spécialement pour la chaîne. Et oui, parce qu'à l'époque, vous étiez plusieurs à m'avoir réclamé un build d'un Saiyan équilibré, donc je l'ai créé pour vous et je l'ai nommé au nom de la chaîne. Du coup aujourd'hui ce que je vous propose c'est tout simplement sa deuxième version, sa version Baby Xeno Jisan, voilà, avec son petit masque un peu comme Xenobardock. Ça va être stylé, du coup ce que je vous propose c'est de commencer sans plus attendre. Et évidemment on va commencer comme d'habitude avec les points d'attribut. Alors au niveau de la santé j'ai mis 125 pour pouvoir encaisser un maximum de dégâts, surtout qu'on sait que les Saiyans ont un malus en santé donc on ne peut pas se permettre de faire autrement. Au niveau du ki et de l'endurance, comme d'habitude je n'ai rien mis, je laisse ça pour la Kyukubang. J'ai mis 50 points en attaque de base pour pouvoir faire un petit peu de dégâts au corps à corps, parce que comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui on partira pour un build équilibré. Donc pour équilibrer la chose, j'ai mis 100 points en super frappe et 100 points en super kikoa, ainsi que les 50 en attaque de base. Comme d'habitude, je ne gaspille pas de points d'attribut au niveau du ki et de l'endurance, tout simplement parce que je laisse ça pour ma Kyukubang. Une Kyukubang de rang 4. Qui aujourd'hui ne touchera pas du tout à ma santé, ce qui est plutôt agréable, qui va me donner 5 points en ki et 5 points en endurance, ce qui va me donner l'équivalent de 7 bulles d'endurance et 7 bulles de ki grâce à mon niveau 99 et cette Kyukubang. J'aurai malheureusement un moins 3 en attaque de base et en super frappe, mais je n'ai pas pu faire autrement, et un plus 2 en super kikoa. Donc voilà, ça va booster un petit peu le super kikoa, malheureusement ça va baisser un petit peu mes dégâts, mais ça ne touchera pas à ma santé, ce qui est vraiment le gros malus des Saiyans. Et c'est ce qui est le plus important. Donc voilà, c'est la Kyukubang que j'ai trouvée la plus équilibrée et la moins négative possible pour un build équilibré. Au niveau de la super âme, contrairement à d'habitude où je prends celle d'un dieu de la destruction, aujourd'hui on partira avec celle de Fuu, bien que l'expérience commence. Alors quand on a la santé supérieure à 75%, ça nous active la régénération de ki, ça augmente le ki rechargé en XL et ça améliore les techniques à base de kikoa aussi en XL. Donc c'est tout simple, du moment où vous gardez votre santé au-dessus de 75%, l'âme Z restera active dès le début du combat et votre ki va commencer à se charger tout seul, ce qui est plutôt agréable, et on aura un bonus en kikoa. Mais la raison pour laquelle j'ai voulu choisir surtout cette super âme, c'est surtout à cause de l'activation de la régénération de ki dès le début du combat. Vous allez voir ça pourquoi quand on va voir les techniques de suite. Comme vous vous en doutez, au niveau des techniques, on partira avec des techniques de Baby Vegeta, en commençant par le Final Flash Vengeur qu'on débloque dans la quête parallèle numéro 124. En deuxième technique spéciale, on partira avec le tir inversé qu'on débloque dans la quête parallèle numéro 123. Et évidemment, la charge maximum qu'on débloque dans l'examen numéro 5. Et pour finir sur les techniques spéciales, le marteau chargé qu'on débloque dans la quête parallèle numéro 123. En première technique ultime, on partira avec la boule de la mort vengeresse qu'on débloque dans la quête parallèle numéro 127. C'est tout simplement la deuxième technique ultime, Super Kikoa, qui fait le plus de dégâts, c'est énorme. En deuxième technique ultime, on partira avec le combo de la justice qu'on débloque dans la leçon numéro 3 de Gohan et Videl, évidemment que vous connaissez, que j'adore. Et en éveil, le Super Saiyan Blue. C'est pour cela que j'ai choisi cette super âme que je vous ai dit juste avant, une super âme qui va nous augmenter notre ki rechargé tant qu'on restera au-dessus des 75% de santé. Donc au final, on va pouvoir se transformer en Super Saiyan Blue sans perdre de ki, ce qui est énorme, sachant que le Super Saiyan Blue consomme énormément de ki. Donc voilà, tant que vous restez à 75% de votre santé, grâce à ma super âme, le Super Saiyan Blue ne vous consommera rien, ce qui est énorme étant donné que le Super Saiyan Blue booste énormément le kikoa et la super frappe, ce qui est parfait pour un build Saiyan équilibré. En évasion, j'ai mis l'attaque psychique, mais vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez, on s'en fout comme vous le savez. Et bon, voilà, au final, au niveau des techniques, on est sur un truc assez homogène. On a 3 techniques super frappe et 3 techniques super kikoa, ce qui est assez équilibré. Voilà, donc on a 2 techniques spéciales, le Final Flash Vengeur et le tir inversé, qui sont des techniques super kikoa. Et on a le marteau chargé, une technique super frappe. En technique ultime, on a la boule de la mort vengeresse, une technique ultime super kikoa. Et une technique ultime super frappe avec le combo de la justice et une évasion attaque psychique qui est en super frappe. Au final, voilà, 3 techniques super frappe, 3 techniques super kikoa, ce qui donne tout simplement un build Saiyan équilibré avec la transformation Super Saiyan Blue, c'est tout simplement parfait. Et du coup, on arrive à la fin de cette présentation rapide de Baby Jisan. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'aller utiliser toutes ces techniques qu'on a évoquées précédemment directement en combat.
contre Baby Vegeta, tout simplement. Et en deuxième et en troisième combat, on partira contre mes deux Saiyans. En premier combat, on partira contre Ken, mon Saiyan full super frappe. Puis en dernier combat, mais lui-même, mon Saiyan full super Kikua, tout simplement. Donc au final, voilà, ça sera mon Saiyan équilibré contre Baby Vegeta parce qu'on a pris ses techniques et il a envie de se venger un petit peu. Et ensuite, on partira tout simplement contre mes deux autres Saiyans qui sont full super frappe et full super Kikua. Ça va être intéressant. Ça va être une vidéo full Saiyan. Donc voilà, moi ce que je vous propose maintenant, c'est de vous laisser avec les combats pour tester toutes les techniques qu'on a évoquées précédemment. En musique, évidemment. Et moi, je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.